On va vous présenter le Mauna Loa, qui est un volcan de l'île de Hawaï aux États-Unis. Son nom vient de la langue hawaïenne Mauna Loa, signifiant longue montagne. C'est un volcan de type effusif. C'est le volcan le plus haut du monde. Il fait 4170 mètres d'altitude et 5271 km², ce qui représente la moitié de la superficie de l'île. L'une de ses éruptions les plus intenses reste celle de 1950. Elle a été déclenchée par un séisme de magnitude 6,4, enregistré le 29 mai. Puis les coulées de lave ont commencé le 1er juin vers 21h30. La lave a atteint la mer en moins de 4 heures. Et des fontaines de lave de 45, 60 et 90 mètres ont jailli du cratère. Sa dernière coulée de lave s'est arrêtée le 8 juin. Cette éruption a rayé de la carte la ville de Ontina Loka. De toutes ces éruptions, le Mauna Loa n'a fait qu'une seule victime en 1924 à cause de pierres volcaniques projetées sur la foule de l'éruption.